On se souvient du match aller, de la défaite 3-0. Est-ce que ça, c'était le Sporting d'avant? Est-ce que ça va être autre chose demain? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est le Sporting d'avant parce qu'on n'avait pas réussi à réagir collectivement. Après, demain c'est un autre match, on sait l'importance qu'il a pour eux. Nous, il a de l'importance aussi parce qu'on se doit de bien finir chez nous. Et je pense que ça sera un Sporting différent du match aller. Quand on voit le match de Niort, puis le match de Pau, il y a une énorme différence. Est-ce qu'il y a une sorte de pression quand on joue à Furiani qu'on est Bastia? Alors la pression, mais vous savez, quand on parle de Furiani, mais quand vous portez ce maillot du Sporting, vous avez la pression. Il y a une pression à domicile et puis il y a une pression à l'extérieur. On sait qu'on est toujours regardé, on est toujours soutenu, on est toujours encouragé, il y a toujours une vision autour du Sporting. Donc alors effectivement, elle est peut-être un petit peu plus importante ici parce qu'il y a notre public qui est important et qui est présent. On sent leur présence. Dans le stade, quand vous êtes sur la pelouse, on sent qu'ils sont là, donc la pression est automatiquement présente. Mais quand vous jouez à l'extérieur, les supporters viennent nous soutenir, ils sont toujours présents à l'extérieur, il y a toujours du monde qui nous encourage. Donc vous savez, la pression Sporting, elle est au quotidien, tous les jours. Mais voilà, après c'est comme ça. Bon, après moi je le vis bien parce que je pense que c'est une bonne chose, que ça doit tirer les choses vers le haut. Mais quand vous savez ça, en fait, ça fait partie de l'ADN du club, ça, de jouer avec cette pression. Mais en fait, cette pression, il faut s'en servir. Et non pas à se desservir ou d'en trouver des excuses ou des raisons qui ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas toujours très justes.